Je m'appelle Jean Camonin. J'habite à Corbeil-Essonnes dans le 91. J'ai travaillé 25 ans au moins dans une grande entreprise de construction aéronautique, à la maintenance, au service de dépannage des machines-outils. J'ai défendu mes idées politiques, communistes et révolutionnaires, et j'ai été militant syndical. Je parle au passé parce que je suis depuis peu en retraite. Ce qui ne m'empêche pas de défendre mes idées, évidemment, au contraire. Ce que je répète le plus de ce que j'ai retenu d'avoir milité dans cette entreprise, c'est quand même à quel point ces grandes entreprises capitalistes sont riches, gagnent énormément d'argent. Rendez-vous compte, les chiffres de l'an dernier. L'entreprise a été capable de distribuer 700 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Les actionnaires, c'est des gens qui ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas réussi à tout dépenser et qu'ils le placent en espérant en gagner encore plus. Et bien, tout en arrivant à distribuer 700 millions d'euros, ils ont été autorisés par l'État de mettre de côté, de ne pas payer 215 millions d'euros d'impôts. Au titre, vous savez, ces crédits d'impôts, recherche, compétitivité, emploi. Ces cadeaux aux entreprises qui ont été mis en place par les gouvernements de droite et de gauche, hein, soi-disant pour aider les entreprises, pour leur permettre d'être compétitives. Et ben moi je dis que 700 millions, quand on peut donner ça aux actionnaires, on n'est pas en difficulté. Cet argent volé, c'est scandaleux et il faut absolument réfléchir tous ensemble à changer ça. Les capitalistes sont des parasites. Ces grandes entreprises capitalistes gagnent énormément d'argent. C'est un scandale permanent et c'est ça aussi que je voudrais dire dans ces élections.